Bonsoir pour nous toutes. Nous comptons rentrer la caille nous jeudi. Hein? Nous jeudi 25 juillet 2024. Nous rentrer la caille en collaboration avec VOA Creole pour que nous capables venir informer nous de ensemble point cap dominer actualité. Hein? Bon la caille pas nous avec l'autre bord de l'eau. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal ça. Nous parlons de dossier qui est pour corruption. Eh bien, gagner trois parmi conseillers qui ouais que non yo cité dans un scandale politique. N'a vinn di qui est trois conseillers ça eux-mêmes hier. Eh bien, jodi là nous ta figuré dans liste comme un cap gagner dans corruption. L'autre information que nous prenons ensemble avec nous, eh bien, gagné, eh bien, conseiller Emmanuel Vertilaire, qui lui-même fait déclaration patrimoine li dans greffe tribunal première instance à Port-au-Prince, hier mercredi 24 juillet 2024. Là. L'autre information, eh bien, que nous parlons toujours dans le journal là, a mené nous un dossier qui est pour insécurité, gagné ancien délégué départemental Latibonite là, Emmanuel Alexandre, qui lui-même kidnappé par un groupe Negaxam mardi 24 juillet dans le département Latibonite là, d'après information qui arrive chez nous, c'est à monsieur Kokorat Sanratio qui t'a kidnappé ancien délégué département Latibonite là. Et puis information yo a mené nous à l'autre bord de l'eau pour nous parler de président américain Joe Biden qui lui-même fait éloge vice-présidente Lee, n'a parlé de Kamala Harris. D'après Joe Biden, Kamala Harris, c'est une femme qui a pile expérience et c'est une femme qui fait en pile, qui donc, peuple américain, a un droit pour qu'il soit capable de faire choix de lui pour le capable de remplacer dans tête pays, dans l'occasion élection qui est pour faire dans le pays, dans le mois novembre, cap Vinila. C'est ensemble information avec plusieurs les autres, n'a gagné pour venir développer dans le journal, là, mais c'est prêt après pour ça. Une fois encore, nous saluons tout le monde qui est connecté eh bien le journal. Là. Bienvenue dans le développement journal. Nous disons que c'est un journal qui fait en collaboration avec VOA Creole. Nous avons démarré avec information concernant dossier qui est pour bien corruption. Eh bien, il y a trois conseillers qui sont bien dans une liste commune qui est en corruption. Il y a une plainte qui est déjà déposée. Bon côté, unité lutte contre corruption ULCC contre trois membres du conseil présidentiel la transition Sahara. Ils ont accusé le fait que ont demandé 100 millions de gouttes à l'actuel président du conseil d'administration Banque nationale crédit pour capable qu'un bel n'importe faut nous dit gagner maître Sonnet Saint-Louis qui c'est avocat président conseil d'administration BNC1 maître Raoul Pierre lui fait connait que eh bien dans une émission t'a participé émission qui relaissait ça nouvelé émission qui animée par Woody Thomas Sanon d'après maître Saint-Louis conseiller président Smith Augustin Emmanuel Vertilaire avec lui Gérald Gilles il t'a exigé 100 millions de gourdes avec maître Pierre lui pour que lui capable eh bien rester dans tête conseil administration BNC1, médecin lui mentionné que gagne une correspondance qui détaillait tout fait qui a joint premier ministre Gary Conille par ailleurs faut nous dit service compétent déjà sollicité pour que capable examiner situation direction générale ULCC li doué désormais chita sous opportunité pour que les capable l'ouvrir et une enquête officielle sous dossier si là n'a quitté information qui vient pour avec corruption pour que nous capables à parler politique eh bien gagner Emmanuel eh bien Emmanuel Vertilaire qui c'est un membre qui fait partie de CPT un conseiller eh bien qui lui-même profiter
pour que les capables de faire déclaration en patrimoine. Emmanuel Vertilaire, qui est membre du conseil présidentiel transition, qui était accompagné ensemble avec le conseiller juridique, Maître Emmanuel Gentil, déposé hier mercredi 24 juillet 2024 la déclaration patrimoine dans greffe tribunal première instance Port-au-Prince. Faut nous dit document déclaration patrimoine et bien te remettre ensemble avec greffier Mozart Tassi en présence commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Lionel Constant Bourgoin et puis gagné Maître Bernard Saint-Ville qui était là tout n'a pas rappelé Maître Bernard Saint-Ville c'est doyen dans le tribunal première instance Port-au-Prince. N'a pas quitté information ça pour que nous capables à louer un dossier et sécurité dans le journal là et bien gagné ancien délégué départemental la Tibonite là révérend pasteur Emmanuel Alexandre qui lui-même a kidnappé dans date mardi 23 juillet 2024 là par membre groupe gang Koukouat San Ras qui a opéré dans une localité qui est la Croix-Périsse dans le département de la Tibonite là. Selon information qui vient joindre nous, kidnapping ça a été fait pendant que pasteur là Techita dans yon machine qui tap menel nan commune nan nan direction et bien commune Lester et bien malfra yo même yo te rive yo te à les armes sous machine nan yo te kidnappé tout moun ki nan machine nan y compris ancien délégué départemental la Tibonite là Emmanuel Alexandre qui nan minute nan parlé ensemble avec nous là qui nommé monsieur Axam qui dans groupe Kokorat sans ratio. N'a quitté information yo Bolakay pa nou pour que nous capable aller à l'étranger pour nous parler de président américain Joe Biden qui profiter occasion pour que les capable saluer eh bien hier mercredi vice-présidente américaine n'a parlé de Kamala Harris qui remplacé en tant que candidat dans l'élection présidentielle qui vient pour fête dans le pays États-Unis, novembre Kabini là, on dit 5 novembre Kabini là, côté que Joe Biden qualifié Kamala Harris de une femme qui a en pile expérience, de une femme qui est vraiment forte. Et li gen en pile expérience, li très forte et li gen en pile compétence. Faut nous dit Joe Biden à l'épinouin pour le dire que c'est un partenaire qui incroyable pour lui-même, une dirigeante pour un pays noir. Kounyen, c'est avec nous-mêmes, peuple américain, pour que nous capables faire choix de lui pour le capable venir diriger nation d'après ça que président démocrate là Joe Biden t'a déclaré dans une allocution solennelle il t'a fait ensemble avec nation depuis bureau Oval. N'a toujours été dans information qui vient pour avec Joe Biden qui estimait eh bien hier mercredi que américain li plus fort que n'importe qui tirant dans une allocution solennelle pour le capable expliquer renoncement pour le capable affronter Donald Trump pour deuxième mandat dans tête Maison Blanche là eh bien un président américain déclaré Amérique c'est une idée qui paraît plus fort que n'importe qui l'armée et li pivas que n'importe qui océan li pipissant que n'importe qui dictateur ou bien tyran d'après ça que un président démocrate là lui-même t'a déclaré n'a pas rappelé qui retire col officiellement dimanche passé dans coussin après que l'été fin livré dans fin juin dans un débat qui te paraît compliqué pour lui face à opposant républicain là n'a parlé de Donald Trump c'est idée qui pipissant dans histoire monde là d'après ça que président américain Joe Biden lui-même lui était déclaré c'est avec information qui est pour avec président américain Joe Biden que n'a metté un bout ensemble avec journal là mais pour autant n'a invité rester connecté puisque reste information yo ou joignez yo dans journal et bien VOA créole là restez connecté ensemble avec nous. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré dans la Maison Blanche jeudi avec président Joe Biden un jour après il te prend la parole devant deux chambres congrès réunies. États-Unis toujours en pile rassemblement avec activité électorale avec vice-président démocrate Kamala Harris et ancien président républicain Donald Trump.
Haïti pendant période état d'urgence sécuritaire, gouvernement a essayé chercher résoudre dossier zone que l'état a déclaré d'utilité publique et puis en pile activité dans ville Paris dans pays la France, yon jou avant coup d'envoi Jeux Olympiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le fait encore. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer au vraiment vrai et grand pile activité dans la ville Paris, dans le pays la France, parce que demain, c'est pour le coup d'envoi Jeux Olympiques. Mais actualité, c'est ici, au Washington, côté que le président Joe Biden recevra aujourd'hui à un bureau ovale la Maison-Blanche pour l'émission israélien Benjamin Netanyahu. Et situation humanitaire dans Gaza, cessez-le-feu dans la guerre Israël contre Hamas là, et puis prisonniers qui n'ont main israélien, prisonniers palestiniens qui n'ont main israélien, et puis augmentation assistance humanitaire pour palestiniens dans Gaza, et bien, point ça a été dominé rencontre de leaders. On a loin ça, Pipré. We meet today at a crossroads of history. Après un discours fleuve devant deux chambres congrès réunies, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a continué virer rond historique dans Washington. Jodi a président Joe Biden recevoir dans la Maison Blanche avec une apparition spéciale dans bureau ovale la Maison Blanche là. Un point qui était dans conversation de leader, c'est cesser le feu dans guerre Israël a mené dans Gaza contre Hamas. Une guerre qui là depuis environ 9 mois. Président Joe Biden accueilli leader israélien dans la Maison Blanche et Netanyahu premier ministre là bat bravo pour soutien président Biden toujours bail pays Israël. Monsieur le Président, moi remercie pour 50 ans de service public et soutien ou toujours bail Israël et moi content aujourd'hui pour me discuter avec vous, travailler avec vous dans moi qui vient là. Et Président Biden, bon côté parle lui-même, il a fait un rappel historique, il a remercié la presse sans lui pas répondre à question, journaliste a essayé de poser. En vain rencontre là, il a responsable communication la Maison Blanche, John Kirby, qui lui-même croit que faut au déboucher souillon cessez-le-feu. Monsieur John Kirby dit qu'il y a pile lacune qui existait et tokay dans deux camps en Israël et aux États-Unis a travail pour capable joindre yon entente. Et il ajoutait que président Joe Biden dans rencontre avec premier ministre Benjamin Netanyahu a essayé ouais si on ta joindre yon entente qui débouchait sur yon cessez-le-feu. Avant rencontre là toujours t'ai l'autre gros responsable dans la Maison Blanche qui t'ai dit rencontre ça a chita sous guerre Israël contre Hamas là dans Gaza et président Biden a bien pour l'exprimer engagement en faveur sécurité Israël. D'après même sous cela réunion ça et ben t'ai chita sous menace contre Israël qu'a sorti bon côté groupe qui joignent soutien dans main Iran dans région Moyen-Orient tant coup Hamas Hezbollah et qui basé dans Liban avec militants outils qui dans Yémen. Situation humanitaire dans Gaza, cessez le feu dans guerre Israël-Hamas, avec libération otages qui n'en met Hamas et prisonniers palestiniens qui n'en met Israël et augmentation tout assistance humanitaire pour palestiniens dans Gaza, et bien, yo tout suscité discussion dans mitan de leaders. Et puis, vice-présidente là, Kamala Harris, qui trouvait dans la campagne qu'on y a, et bien, elle doit rencontrer avec dirigeant israélien Pita, jeudi. Donc oui, on a fait marquant pendant visite premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans Washington, gagné en pile manifestation qui fait notamment l'été dans le Congrès, était devant deux chambres Congrès réunies, et ben t'es en pile manifestation qui t'a fait pour non seulement dénoncer guerre mais mander yon cessez-le-feu et au tabouré parole piment bouc contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais en Israël même réaction au département par rapport à discours et par rapport à visite là Jean-Robert Philippe à suivre de très près pour nos situations. Jean-Robert est dans le pays Israël et il y a des gens qui ont accueilli non seulement visite là, mais discours que président, premier ministre plutôt, premier ministre Netanyahou fait devant deux chambres congrès réunies. Effectivement, Jacques Njondia, et c'est un discours que les Palestiniens qui sont dans le territoire de Gaza ont critiqué le chef gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu. Ils ont dit qu'il y a un congrès en paquet, mais il n'y a pas de chambre de congrès, effectivement. Jean Bala est normalement, et que tout ça le dit devant deux chambres réunies sont paquet mentiré. Pendant ce temps, dans Jérusalem, qui est la capitale là, et bien, les résidents eux-mêmes, ils ont battu bravo pour le premier ministre, ils ont battu bravo parce que dit premier ministre dit toute la vérité et que content à discours ça que chaque gouvernement fait devant le chambre congrès américain. I deeply appreciate America's support including in this current war.
Réaction partagée en Israël à territoire Gaza après le discours premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononcé devant deux chambres congrès en absence du vice-président Kamala Harris qui lui-même était le président de session. Assistant ministre des Affaires étrangères palestinien Omar Awadala déclaré que c'était un discours non-sens total qui chargeait avec gros mentir que même congrès a supporté tant qu'une comédie théâtre absurde qui en général c'est ennemi idéologique cause palestinienne. Mohamed Nasser, président palestinien à Hébron, déclaré tout à fait normal pour qu'on réaccueille le premier ministre Netanyahou, j'en fais là, à paquet à position ça. Puis, faut assister ce soir, c'est juif, ou bien il y a un support aux États-Unis. Dans le discours, le premier ministre décrit un plan pour déradicaliser Gaza après la guerre et puis former une alliance entre Israël avec les Arabes et les États-Unis. M. Netanyahu rend un groupe militant Hamas responsable grand groupe dans le territoire pendant qu'il insistait que Israël protège les civils. Abou Mohamed, un Palestinien déplacé, pas d'accord avec la déclaration du chef gouvernement israélien. Il a déclaré la majorité des gens qui mourent dans le territoire Gaza, soit 90%, c'est civil, qui contrait avec la déclaration de l'idée israélienne en fait devant le Congrès. Permettre l'organisation internationale de visiter l'hôpital pour constater que les gens qui mourent, c'est les gens vieillards avec femmes. Premier ministre qui profite de chercher support aux États-Unis pour jouer des armes et munitions pour continuer la bataille et qui déjà tué plus de 39 000 Palestiniens et blessé plus de 90 000 autres depuis l'armée israélienne a lancé offensive en octobre 2023. Après militaire Hamas a attaqué plusieurs villages israéliens côté tué 1200 monde et prend en otage plus de 200 Israéliens avec étrangers. Dans le discours, Premier ministre Netanyahou pas mentionné proposition cessez-le-feu dans le territoire Gaza, gouvernement supporté. Quelques membres démocrates avec sénateurs dans le Congrès qui pas assisté au discours premier ministre ont réuni dans une autre manifestation. Every one of us is choosing to be here. Député to have a real discussion about how we get to déclaré, nous tous choisis pour nous ici là pour nous faire une discussion réelle, de façon pour nous joindre la paix au lieu pour tendre des discours pour le ministre Netanyahou. Moi, pas parler pour différentes raisons. L'autre monde choisit pas tenir discours. Pour moi-même, Netanyahou pas de jamais joindre invitation à cause de l'un gros problème pour lui joindre. Il cessez le feu, libérer otage et puis joindre une paix définitif dans la région. Dans Jérusalem, la population bat bravo pour le discours premier ministre fait devant le Congrès. Peut-être il dit la vérité. Pendant le dit, il était doué, mettez plus accent sur l'otage. Lori Heller, qui a 70 ans et qui était parlé avec l'agence Nouvelle Reuters, déclarait que c'était un bon discours. Chez le gouvernement israélien a visité les États-Unis. Dans le moment, le tribunal criminel international a lancé un mandat d'arrêt contre lui, quelques membres du gouvernement. Avec leader membre groupe militant Hamas. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et dans Washington, et hier soir, président Joe Biden délivré un discours et pour expliquer plus ou moins pour raison qui fait que l'écrasant quitté ça dans la course présidentielle là et endossé vice-présidente Kamala Harris. Sandra Lemaire, gain détails. Président Joe Biden déclaré mercredi qu'il décidera l'école dans la course présidentielle là contre Donald Trump à cause que sauté les gagnants pour avenir pays États-Unis. Ses premiers commentaires publics qu'il fait depuis annonce qu'il publié dimanche pour faire connaître qu'il quitte la course là. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me, it's about you. My vision for America's future all merited a second term, but nothing, nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition.
Biden, 81 ans, t'est repoussé pression démocrate que t'es metté sous lit pendant plusieurs semaines après débat tête chargée l'été gagné avec Donald Trump 27 juin passé à. L'été dit que seulement grand maître là t'es qu'à convaincre lui pour le bail vague. L'été passé plusieurs jours à réfléchir et puis agoniser sur résultat sondage qui montrait l'état capable de perdre face à Trump dans le mois de novembre là et puis causer compatriotes démocrates lui pour y perdre course là tout. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. Biden t'est parlé pendant 11 minutes. Il fait référence plusieurs fois à danger liquide qui posait pour Américains si Trump remportait l'élection 5 novembre, non, sans pas citer non Trump directement. Il dit de parler dans la course présidentielle là va aider guérir blessés partis démocrates là. Et puis unifier yo en bas yo seul objectif qui c'est remporter l'élection. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Après être toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, n'a pas l'élection, la campagne présidentielle là, et bien candidat parti républicain Donald Trump a fait face à un nouveau opposant en parlant de après que président Joe Biden t'ait fait retrait comme candidat parti là, Valérie Saint-Louis depuis New York. Républicains dans la convention nationale semaine passée a été content ou est pression qu'a monté sous président Joe Biden pour le démissionner comme candidat supposé parti là. C'est comme ça que l'elle t'est démissionné comme candidat, il était déjà paré. Si vous avez jamais demandé tête ou qui Jean Joe Biden était arrivé faire des ordres sous frontière comme ça, songez, il était gain monde qui t'a aidé. Avec publicité ça qui changeait attaque yo sorti sous Biden pour arriver sous vice-président Kamala Harris qui a blâmé lui pour une vague quantité immigrants illégal qui rentrait sous frontière yo. Moi j'ai travaillé sous problème ça pour un bon petit temps. C'est vérité à sous Kamala Harris, li dangereusement libéral sous cause immigration illégale là. Dans le premier événement campagne comme candidat présidentiel démocrate, Kamala Harris était paré pour contre-attaquer. Li rappelé électeur yo travail li comme prosecutor tribunal et procureur général. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Et puis dans job ça yo, moi t'ai fait face à toute qualité prédateur. Prédateur qui t'ai fait abus sur femme, escroc magouilleur qui t'ai cassé pour être consommateur. Cheaters, tricheur qui t'a écrasé règle la loi pour propre bénéfice. So hear me when I say, donc tandem l'aime dit nous moi connais qualité Donald Trump. Kamala Harris recalibré course électorale que ancien président Donald Trump a mené la donne selon expert Darrell Wells de Brookings Institute pour études sous gouvernement. Mademoiselle Brel très compétitif dans l'État important Midwest, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, à Wisconsin. Et puis, moi, pensais que le Brel remettait quelques dans l'autre État qui aurait les swing states et qui était commencé à glisser aller, État en cours Arizona, retourner pour démocratie. Pour Donald Trump, candidat républicain, un nouveau opposant rival politique, v'lait dit, un nouveau tinon jouet pour passer le non-risible. Moi, l'élite Kamala d'Angrien. Ou j'aime garder le capri, li fou. Ou connaît ou ka di en pile bagaille de yon moun sous façon liri. C'est une campagne qui gagne confiance que le capable battre n'importe démocrate d'après Mina Bosse de Hofstra University. Clairement ancien président Trump ak staff campagne, yo te pensé que président Biden te un candidat que yo ka battre. Yo semblait que yo gagne même opinion ça de vice-président Harris. D'après Darrell West, changement pral vle di kek ajustement pour campagne républicain yo. Yo juste pral obligé remanier tout point campagne yo qui te dit que Joe Biden était trop grand monde, il pas capable faire travail là et que famille était dans corruption. Tout ça disparaît kounya là. Mais moi certain que yo pral bien vite passer à l'attaque. Yo pral faire remarquer que mamzelle sorti dans l'état California qui pi libéral dans reste pays. Candidat colistier Donald Trump là, JD Vance t'es shooté sous vice-président Harris. Li blâmé vice-président pour mauvaise performance Joe Biden. Pays nous a été lagué pendant 3 ans et demi dans main du président qui pas de café travail là. Et c'est parce que Kamala Harris et le reste démocrate te bay menti sous capacité pour le vin président nous. Kamala Harris dit électeur yo gen un choix clair entre vision pali et vision pas Donald Trump là. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays qui gagne liberté, compassion et respect, règle la loi, ou soit un pays qui gagne désordre, la pérèse et trahissement? Mais bon, ce moment ça, nous chaque nous gagne pouvoir pour répondre à la question ça. Pouvoir, c'est pour le peuple. Premier sondage politique, bureau vote depuis retrait Joe Biden et monté Kamala Harris comme candidat,
diminuer différence quantité vote parti li a gagné ak Donald Trump. Pour VOA News, Scott Stearns, adaptation créole, Valerio Saint-Louis. Pour VOA Créole, New York. N'a pas quitté l'actualité ici aux États-Unis, nous parlons en Afrique. Et bien, l'actualité a mené nous plus précisément dans le pays Kenya, côté président William Ruto. Mette quelques membres dans l'opposition, dans le nouveau cabinet ministériel. Mais ça n'a pas empêché que les manifestants continuent à mener un mouvement protestation contre le gouvernement. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Policiers Kenya yo tiré en l'air. Yo voyé gaz lacrymogène dans la ria et puis yo arrêté manifestants jeudi 25 juillet 2024 là dans Nairobi, capitale pays Kenya. Malgré hier mercredi 24 juillet, président Ruto t'a parlé ak nation, il t'a proposé amendement dans loi anticorruption ak marché public et puis il t'a nommé nouveau ministre. Kek la dan yo sorti nan opposition. Président promet tout que gouvernement Kenya pral aide fami ak citoyen yo. The government of Kenya. Gouvernement Kenya pral bay assistance nécessaire pour toute fami ak citoyen ki perdi moun yo renmen yo. Manifestation yo te continue malgré président Ruto te retire législation contestée ya. Et puis li te fè yon passe men nan kabinet a. Militant yo kontinye ap mande chanjman nan sistèm nan pou atake problèm korupsyon ak gouvernans nan nivou nasyonal ak nan nivou konté yo. The president is doing everything in his capability. Président a fè tout sa ki nan pouvwa li pou l fè peyi a fè bak. Se pou sa, nou pa kaba li plis tan. Li pa enterese pou repare peyi a. Etan de revendikasyon nou yo. Pour faire avancer cause nou yo par rapport à ça qui dit dans la constitution. Li ap agi en dehors constitution. Qui donc, nous te wè brutalité. Kek et tan avant arrestation li, pendant manifestation nan Nairobi jodi jeudi 25 juillet, militant kenyan Wandjira Wandjiru te di. When we lose, le nou perdi la pérez nou, yo perdi pouvoir yo. Et puis, tout pouvoir souverain, c'est pour peuple Kenya. En plus, 4 membres opposition yo, Ruto nommé 5 membres cabinet qu'il était révoqué dans commencement mois ça pour répondre à revendication manifestant yo. Mais militant yo critiqué nouveau gouvernement comme une négociation entre corrompu. Jeune manifestant qui derrière 6 semaines manifestation qui te force Ruto 2.7 milliards dollars nan augmentation taxio te di que gouvernement unité ça ta continue yon tradition leader yo choisi opposition an sou peuple la manifestation yo c'est pi gros crise nan de l'année Ruto sous pouvoir plus passé 50 moun mouri manifestation yo te continue même après tentative augmentation taxio te suspend kounye ya. Un pile militant a demandé démission Ruto ak réforme solide pour attaquer problème corruption. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Actualité à dans pays d'Haïti dans un petit moment. Et oui, ou toujours sous VOA Creole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne, on entré dans le pays d'Haïti, côté dans le cadre d'application état d'urgence sécuritaire, et bien, gouvernement, et bien, bay moun qui en bas la ville là, et bien, yo bay yo délai pour yo capable, qui 8 jours francs pour yo capable de dégager yo, Yves Manuel. Dans le cadre d'état d'urgence sous question de sécurité, rappelez qu'il y a un arrêté qui est publié dans le moniteur dans le numéro 86 vendredi 1er juin 2012 qui déclarait d'utilité publique propriété qui trouvait sur axe boulevard Aritroman, axe rue Joseph Janvier jusqu'à axe rue Monseigneur, rue Magasin l'État, axe rue Saint-Honoré, axe rue Chanmas. Et enfin, ligne qui sous axe rue Henry jusqu'à rue L'Enterrement. Terrain sa yo, yo destiné pour construire édifice institution publique qui était détruit en bas goudou goudou 12 janvier 2010 là. Concernant propriétaire qui donc met kay ki poko dédommagé mais qui était obligé quitter kay yo,
gagnent ministère qui rappelle yo yo doit bail titre qui approprié pour finaliser processus dédommagement qui en attente. Dans ce ça ministère a mandé à tout occupant rue nos cité là yo qui réparti en trois blocs pour vider les lieux dans un délai 8 jours à compter publication communiqué. Il y a plusieurs rues qui concernées par décision ça qui gagnent kay qui abandonné monde qui était dans kay ça yo couri quitter kay yo à cause violence gang armé yo dans dernier temps ça yo dans l'année 2012 processus expropriation pour construire cité administrative là té suscité divers remous côté gagné gros manifestation qui était organisée cité administrative là té deux gars la donne environ 46 bâtiments publics, espaces qui réservés pour commerce, bureaux pour institutions internationales. Plus passé 10 ans après, seulement 8 bâtiments publics qui construit dans Hershon Maslan. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Toujours dans le pays d'Haïti, conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire fait déclaration patrimoine lié mercredi 24 juillet 2024 là dans greffe tribunal civil première instance Port-au-Prince Massado Vilmé. Représentant parti politique Petite Dessalines dans conseil présidentiel transition Emmanuel Vertilaire qui était accompagné à conseiller juridique li maître Emmanuel Gentil fait déposer là devant greffier Tassi Mozart en présence commissaire gouvernement maître Lionel Constant Bourgoin ak doyen tribunal première instance Port-au-Prince lan maître Bernard Saint-Ville. Il vient rappeler formalité dictée par la loi de la loi du 2 février 2008 et sur la déclaration de patrimoine et des personnalités politiques et des grands fonctionnaires des agents de la fonction publique. Responsable chantier justice en dans conseil présidentiel transition qui était visité tout paquet Port-au-Prince déploré infrastructure qui pas gagné dans espace qui loger institution judiciaire. Et puis plaider en faveur de localiser paquet. Moi pour faire un porte-parole de système là. J'aime dire système là, moi quand dire toute sa globalité, moi pour porter message là, ben conseil là et ensemble avec le gouvernement, nous sommes capables d'adresser problème justice là et dans un temps record pour que il y ait quelque chose qui fait pour nous retirer tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'un des grands tribunaux du pays, côté où il est là, n'est pas possible. N'est pas possible. Donc la justice lui-même, il n'est pas capable de reléguer au second plan. Et si nous avons besoin de pays nous développer, nous besoin de pays nous sortir de la situation côté où il est là, il bien faut que et les hommes politiques de ce pays aient une priorité à la justice. Dans la même journée, mercredi 24 juillet 2024, le conseiller présidentiel là, Emmanuel Vertilaire a visité tout bâtiment qui logeait l'unité lutte contre corruption ULCC. Il y a occasion pour le directeur général, M. Hans-Jacques Joseph, aborder besoin institution. L'autre nouvelle sous pays, l'autorité sanitaire a fait connaître, il a averti dans la date 12 juillet passé, présence maladie charbon dans la commune Tigouave, puis précisément la localité Fort Royal. Ça nous apprend dans un site du ministère de la Santé publique et la population mette dehors. Côté où fait qu'on ait détecté ça après consommation, yon viande bête qui mourit. Autorité sanitaire fait qu'on ait tout, des recherches qu'a fait dans le centre épidémiologique pour identifier source infection et puis mettre campé, mais y prévention et contrôle. Autorité a profité de la population pour éviter contact avec bête qui mourit pour éviter propagation de maladie. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado Vilmé, tant qu'on nous a dit dans le commencement du programme, eh ben demain c'est pral coup d'envoi Jeux Olympiques, eh ben c'est ville Paris, pays la France qui a accueilli Jeux Olympiques. Et puis jeudi à ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Cosé Femme et mon cap présenté, qui était préparé, qui a présenté, c'est Glorieuse Nelson. Dans la rubrique Cosé Femme jeudi, on a introduit Nadège Fleurimont, un entrepreneur haïtiano-américain qui est basé dans New York. Alors qu'elle étudie politique dans Columbia University, c'est sous cuisine et entrepreneuriat que l'on choisit bâti carrière. Yon carrière côté manger à culti haïtien gagné premier plan. Mante ou ti jan né avant chaque coup di au sot Haïti, c'est lis politique, problème social qui existait. Son réalisé avec manger a moun plus te vin intéressé dans culture là. Yo besoin apprendre des pays a ki jan manger, ki l'on manger ça, ki jan nou fèl. Moi di on préféré conversation ça. À l'époque moi pas de penser c'était au domaine qui t'a vin carrière moins profession moins moi même vinn di ah bon continuer dans
en créer conversation ça yo entouré de manger pour moun ka apprendre plus de culture et c'est là ça que fait nous arriver là. Année 2024 l'on fait 20 années depuis Nadège professionnellement intégré domaine cuisine. Li déjà écrit 2 livres parmi yo Haiti Uncovered qui débouché sous organisation plusieurs voyages pour touristes en Haïti. Entrepreneur a expliqué livre si là plus que recette cuisine qu'il a donné. Pour moi même c'est pas juste montrer manger à mes recettes là mais c'est plus introduire moun avec coutume avec gens moun yo vive en anglais autant qu'on dit humanize Haïti parce que en pile fois tant qu'on grand paquet moun va parler de Haïti tant qu'on c'est pas place qui vrai c'est tant qu'on sur ou la guerre qui existait toute la sainte journée tout monde apparaît so yo pas même ka imaginer que moun gen day to day life so moi pense que les moi al voyager pour livre là en 2013 2014 moun vin dit oh gade Nadège qui levé ici qui vini ici depuis à 7 ans gade la voyager dans tout partout de pays hein qu'on la prend recette yo la parler de manger yo la parler de coutume manger en termes de cérémonie baptême communion mariage qui est-ce qui fait manger les ça nous manger les matins après plusieurs années d'expérience dans service traiteur ça nourrit les catering là Nadège décide d'ouvrir un restaurant qui relait bounan côté plat de base là c'est banane l'a pas expliqué zanmi afrikain c'est ça net yo reme banane pan yo reme banane moi dit ah so si mbay go haïtien moi bay saveur haïti a kounya ke moi utiliser banane nan ke tout moun reme ça ou sorte li kembe a mission tout nan date nou te visiter banane qui situé nan carrefour ki ton ak Flatbush Avenue nan local Flatbush Central la ki nan Brooklyn Nadège ta bay yon kou cuisine jan nou ye ici c'est pas comme ça moun nan vive en Haïti so m pense que manger a so jan ke ou gen doit kembe ou liaison ou lien que pour toujours ca connecter avec en back home parce que tant comme tout on pas qu'être jeune qui fait des sites yo gen pas qu'on rien de Haïti entrepreneur qui te gen chance menen qu'il ti a cuisine haïtienne en plusieurs gros institutions américaines tant que New York City Hall, BET News ou sinon la Maison Blanche fait connait ces façons ça li capable porter contribution pour pays Haïti Glorieuse Nelson Pouvoir Creole depuis Brooklyn New York. Merci Glorieuse Nelson et comme nous nous t'ai parlé de l'étou dans cause femme c'est Stella Jean son designer un styliste qui basé qui était dans ville Rome et il est présent dans ouverture Jeux Olympiques demain dans ville Paris. Je dis ville Paris dans pays la France c'est ville lumière mais on dit c'est la ville de la mode côté pral grand pile modiste dans occasion Jeux Olympiques et Stella Jean pour le représenter Haïti la présent et la poté produit les sales fait comme designer comme styliste et il dit que c'est mettre en évidence et ben style goût taste ça veut dire en anglais Caraïbes là donc c'est yon moun pour nous suivre pas oublier non Stella Jean yon designer qui basé dans ville Rome mais c'est yon designer qui gain origine haïtienne. Donc demain c'est coup d'envoi Jeux Olympiques dans ville Paris dans pays la France. C'est là nous mettait fin dans programme. Merci Nelson, merci et Jean-Marc Hervé Abela. Moi c'est Jacques Belizer. Et Rob Mac porte-parole vivant ensemble Jimmy Cherizier aka Barbecue organisé une conférence pour la presse jeudi 25 juillet 2024 là en dans Cité Soleil devant Combit là pour que l'ité capable parler de la paix qui fait dans cité là. Femme dit nous que t'ai gagné plusieurs journalistes qui t'ai répondre présent dans cadre conférence de presse là et nous t'ai capable voyo Jimmy Cherizier aka Barbecue qui lui-même t'ai habillé ensemble avec un uniforme militaire. Jimmy Cherizier aka Barbecue fait connait que jodi an la si cité soleil capable connaître la paix ça c'est grâce avec 3 chefs gang qui dans cité c'est grâce ensemble avec ti Gabriel cap diriger yon zone tant pour Boston c'est grâce ensemble avec yon moun tant pour Mathias qui lui-même dans zone roi dans zone Brooklyn et puis chef Belécouan eh bien qui est la cause que eh bien, la paix ça capable régner en dans cité soleil. Jimmy Cherizier t'a profité occasion pour te voyer un message piment bouc by moun kap utiliser nègzam yo surtout nan quartier populaire yo pour que yo capable goumer entre yo. Li di sera seta
cette fois-ci, ça finit. Et les mêmes bails qui datent, eh bien, commissariat eux-mêmes pour l'ouvrir porte yo dans toute zone quartier populaire yo. D'après Jimmy Cherizier, yon objectif yo là, li pa l'autre que bataille pour la paix. Et li fait qu'on est très bientôt, eh bien, moun Cité Soleil ap capable gen accès ensemble avec courant, yo ap capable gen accès ensemble avec l'eau. Et Jimmy Cherizier dit, question pour balle à péter, eh bien, toute la sainte journée entre eux-mêmes dans le quartier populaire là, ça finit. C'est Jimmy Cherizier qui vraiment motivé, on ne peut plus. Et Jimmy Cherizier allait plus loin pour le faire connaître que, li pa nan kan campagne électorale, li pa nan question élection, mais yon nan bagay ki important la gérer là, eh bien, c'est dossier négociation livré pour que tout monsieur ou même yo capable eh bien déposer zame, faire zame yo bébé. Et Jimmy Cherizier te même profiter occasion pour te voyer un message by monsieur vivant Samyo pour le dire monsieur yo, font-ils poser, font-ils calmer dans question kidnapping nan, parce que li juge que dernier temps sa yo, kidnapping nan, li monte en puissance. Et Jimmy Cherizier reconnaît que, eh bien, c'est quelques autres monsieur en dan vivant ensemble qui yon même responsable de zak kidnapping qui gagne nan pays. Bon, invite nous tande Jimmy Cherizier aka Barbecue, qui lui même se porte-parole structure ça qui rele vivre ensemble. Je dis à les dialogues qui ont été cités sur les gens. Et pas à force ZAM. Et pas ZAM Mathias Gay. Et pas ZAM Benji Gay. Et pas ZAM Gabriel Gay. Nous tous chargés ZAM. Mais nous choisissons pour un autre dialogue. Et pour dossier la Saline avec Waf Jérémy. Et pas quoi, et celle ça comme problème nous pour nous résoudre. Il y a l'autre groupe encore qui a un problème. Mais nous avons résolu le problème zone par zone. L'angle a toujours mordé. Mais l'homme mordé, l'angle va couper le jeté. Problème la Saline, je dis à nous avons résolu le problème Cité Soleil là et nous allons faire tout effort nous pour nous quimber la paix dans la Cité Soleil. Nous privilégions le dialogue, n'importe ça Gabriel, tu as fait Mathias, n'importe ça Mathias, tu as fait Gabriel, Benji, tu as fait Gabriel, et pas coup de balle qui va le tirer, c'est appel qui a fait et dialogue pour coup de balle va tirer. Parce que après ça, la paix Cité Soleil a consolidé, les nous entrer dans le bon, comment on va dire ça, les nous plus d'après la paix a vu plus cuite. Et bien, nous avons un dossier Waf Jérémy à la Saline, tout comme nous avons un dossier Vite l'homme à l'amour sans jour, jusqu'à ce que côté Ginzam. Et que nous avons un bail milot. Les gens qui ont dans la Cité Soleil, c'est quand ils ont malheur qui boule. Et pas quand ils ont mis des amis qui boule. Pas quand ils ont fait politique sale avec nous qui boule. Je dis à ce problème problèmes la Saline avec Waf Jérémy a bien pour le résoudre. Ça nous avons besoin, je dis, nous avons besoin de l'État, bal pas tirer dans la Cité Soleil. Nous besoin l'état vient nettoyer Cité Soleil pour nous. Moun nan Brooklyn pa gen d'eau, yo pa gen courant. Nous besoin l'état aider à descendre, vinn remettre poto yo, vinn mettre courant. Oui. Vinn mettre de l'eau dans nos cours. C'est ça que nous besoin. Et ça jusqu'à maintenant, nous sommes en bas, depuis nous avons fait deux temps et nous avons fait un peu de temps. Faut t'apprendre question au moins plus fort, vraiment battre. C'est juste que présent, mon bois neuf qui a monté Brooklyn, allez, bel écouter de là. Eh, bon, c'est chose dire là. Bon, c'est chose dire, pas de mon bois neuf, pas de mon Boston, pas de mon Brooklyn, pas de mon bel écouter. L'homme dont mon côté sorti, là, je suis sorti de Cité Soleil. Souvent, je suis sorti précision, car je suis mon Brooklyn, c'est mon Boston. Je dis, pas de question de bois neuf, pas de question de Boston. Cité Soleil après vivre, tout le monde passe côté, ouvre les lèvres, ouvre les gens, ouvre les. Cité Soleil après vivre, tout le monde passe côté, ouvre les lèvres, ouvre les gens, ouvre les. Jimmy Cherizier dit, jodi an c'est l'heure pour que Cité Soleil capable revivre et tout le monde en densité, capable de côté que ouvre les lèvres, ouvre les gens, ouvre les. A fait question coup de balle par-ci par-là, pas de question bagay ça encore en densité, c'est un bon la paix, c'est un la paix côté que vous avez cherché depuis bien longtemps. Et ce n'est pas moun dans le secteur politique, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé qui fait que vous faites la paix.
c'est eux-mêmes de propre gré qui décident yo chita ensemble et yo prend décision pour que coup de balle pas chanter encore dans cité pour que moun pas prend coup de balle pour que moun pas victime en dans cité parce que yo jugé que c'est même yo même encore qui victime et pas même dans secteur privé qui victime c'est pas ni l'autre monde qui victime c'est même malheureux malheureuse en dans cité soleil qui victime à chaque fois que gen affrontement en dans cité soleil on continue tande porte-parole vivre ensemble Jimmy Cherizier aka barbecue. Je veux parler de pression, parce que nous sommes très pétroliers déjà. C'est, et contrairement à ça, mon grand petit, on est comme nous, on fait la paix. Et c'est boss qui demande de faire la paix. Nous ne sommes pas boss nous-mêmes, nous sommes boss tête aujourd'hui. Mais je dis très bien, c'est Gabriel, Mathias, Benji, ils ont parlé, nous discuté. Personne ne monde, ils ne font pas bloquer un politicien, ils ne font pas ça. Ils ne font pas bloquer un bourgeois. Personne ne va continuer à faire la paix. C'est nous parler entre nous. Il y a plusieurs appels qui font bala Gabriel pendant plusieurs fois. Nous faisons appel Mathias, Benji, Gabriel, nous tous soulignons, nous dialoguons et puis nous décidons, ok, la paix a démarré. Les acteurs, va à terre, vous commencez à écraser, tout va à garder les gants, tout va à écraser, Gabriel va à écraser, va à Lyon, Mathias a écraser, va, Benji a écraser, va, coup de balle, pas tirer dans la cité soleil encore. Tout le monde dans la cité soleil pas mourir avec Zamio qui est banon. Au contraire, si vous mettez la pète, nous avons vu bouche Zamio sur le monde qui est pour nous faire nous mal. Est-ce que nous tendez bien qui ça? Eh bien, porte-parole vivant somme, barbecue répété. Eh bien, journée jodi, balle que yote, zam ak balle que yote kon ba yo, pou yote goumen entre yo même nan. Cette fois-ci, zam sa ak balle la, li pral vire kont moun ki ba yo, kont oligak yo. Est-ce que sa barbecue di, li pral rive fèt? En tout cas, tout moun ap suivre, tout moun ap gade pou yo wè. Est-ce que c'est vrai même que il y a un pile monde qui toujours mandé ça mais jodi ensemble le récit rivé parce que monsieur yo fait la paix et Jimmy Cherizier allait plus loin pour le dire comme ça que c'est pas seulement cité soleil qui a fait la paix mais faut li répéter eh bien ni et la Saline ensemble avec Rob Jérémy ni zone deux zones ça qui pour faire la paix même Jean tout eh bien si monsieur 400 Marozo yo pour faire la paix ensemble avec vite l'homme innocent. On continue à attendre Jimmy Cherizier, porte-parole vivant ensemble. Et c'est pas anticipatif pour nous prendre toute décision. Je dis, et monde dans Cité Soleil, besoin de commissariat. Et pas celle Cité Soleil, c'est tout quartier populaire qui a besoin de commissariat. Mais il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait un principe. Nous n'avons pas besoin de policiers qui peuvent faire répression sur le monde dans la Cité Soleil. Nous n'avons pas besoin de policiers qui peuvent faire répression sur le monde dans la quartier populaire. Nous avons chita, nous avons dialogué à l'État. Et ça, c'est le dialogue qui a fait tout le bagaille. C'est un truc qui a fait tout le bagaille. Nous avons dialogué à l'État, nous avons parlé à l'État. Et puis tout le commissariat, tout le quartier populaire en général a fait pour nous. Nous avons un GPEP à trouver une vie ensemble. Et nous avons attiré l'attention sur la réponse à que Jimmy Cherizier baille. Premier bagage qui est important, selon Jimmy Cherizier, c'est dialogue. Il dit automatiquement, yo fin dialoguer ensemble avec l'État, tout ça que yo vle, eh bien, yo joine li, pas de problème pour tout commissariat relouvri pot yo. D'après Jimmy Cherizier et barbecue, c'est pas kounye kon sa, commissariat yo ak sous commissariat yo pral louri pot yo en dan quartier populaire yo. Elle te tout profite répondre question concernant eh bien Gabriel, est-ce que Gabriel li fait partie de Vivre Ensemble? Jimmy Cherizier te répond pour lui dire non, li pas fait partie de Vivre Ensemble. Pas de question de G9 ak GPEP kounyan son seul bagay ki gen c'est Vivre Ensemble, mais si Gabriel l'hypoco en dan kayla ça ka pa gen rien qui dit que c'est pas stratégie, c'est pas politique et pas grand rien qui dit tout. Eh bien Jimmy Cherizier c'est pas vérité la bail, très bientôt si Gabriel pa rejoindre structure ça qui rele Vivre Ensemble. On continue tande Jimmy Cherizier aka barbecue qui lui même c'est porte-parole Vivre Ensemble.
peuple, pas de question de Genève. Tout est fini à bagaille ça. Je dis à qui vivre ensemble. Je dis à moi à parler là dans nous vivre ensemble. Sauf que je précise pour nous, Gabriel lui-même n'est pas fait partie de vivre ensemble. Mais malgré le ballon vivre ensemble, vous ne pouvez jamais on est dans vivre ensemble, lever gourmet à Gabriel. Et peut-être ça, Jeff fait partie de vivre ensemble. Jeff et Gabriel, c'est deux frères, oui. Si gros problème, Gabriel après les Jeff, Jeff après les après les Mathias, n'a pas dialogué. Nous-mêmes dans le quartier populaire, aujourd'hui, à plus gros âmes, n'a pas utilisé pour le quartier populaire, oui, dialogue. Avant de jeter la petite, c'est ça que nous choisissons faire la paix, parce que nous voyons boule là-bas et l'État. Son match football, il y a des prétextes, c'est parce que les balles capturées dans la Cité Soleil, il faut marcher à réouvrir là. Il faut que l'école nationale Cité Soleil ait réouvert. Tout ça, Cité Soleil était pour le faut fonctionnement pour retourner. Tout ça, le monde dans Cité Soleil a besoin pour vivre et il faut que l'État bote le ballon dans le ghetto. La façon, c'est parce que c'est pour l'élection capitale. Et nous-mêmes, nous parlons de question d'élection dans ce moment-là. Nous ne pouvons pas parler d'élection. Nous avons un pays qui est écrasé. Nous, en plongeant, il y a deux groupes qui écrasent le pays. C'est la mafia économique. Avec la mafia politique qui mène le pays à côté de là. Soudo qui est sur la guerre tout chaillot. Soudo n'est qui des âmes. Et bien quand on pose que ça, je vais profiter de lancer ce message ça. Bah, tout n'est qui dans vivre ensemble. Pas de pays développé avec kidnapping. Je dis à toi, kidnapping n'a retourné encore. Je vais demander tout n'est qui faut camper sur kidnapping. Là. Parce que mafia économique qui a crasé le pays. Là. Mafia politique qui a crasé le pays. Là. Parce que vous avez montré n'est dans le quartier populaire comment vous faire kidnapping. Parce que vous venez montrer les quartiers populaires comment pour craser, briser, je dis à vous demander pour ces nègres qui sont dans les quartiers populaires pour vous tuer. Et peut-être ça, je dis à vous, s'il vous plaît, pas de pays qui a développé avec kidnapping. Font camper sur kidnapping et que en façon pour le monde entier que ce n'est pas nous-mêmes qui avons qui est le problème. Merci en pile. Nous souhaitons que Cité Soleil ouvert pour nous. Nous visiter, nous regarder dans quelles conditions nous avons vivre. Nous regarder comment nous avons vivre vers le monde entier ça pour nous que ce n'est pas notre problème. Parole. Voilà. Nous t'attendons Jimmy Cherizier aka Barbecue qui c'est porte-parole en même temps président Vive Ensemble. Dernière phrase là, li pi important dans interview. Hein. Jimmy Cherizier mandé l'autre monsieur Vive Ensemble yo pour que yo capable fonti calmer yo sur question kidnapping nan, pour que yo capable voyer un message by le monde, c'est pas des exam qui compte faire kidnapping seulement. Est-ce que Jimmy Cherizier voulait faire nous connaître que gagnons l'autre secteur dans le pays qui dans le kidnapping, ce n'est pas seulement si monsieur Axamio, ça nous relève, et bien bandit Axa Patio qui fait kidnapping. Est-ce que Jimmy Cherizier voulait dire nous que si monsieur Akravatio, bandit Akravatio, monsieur Politico, est-ce que yon a kidnapping dans tout? Est-ce que Jimmy Cherizier vle dit nous tout? Eh bien, si monsieur nan secteur privé yo, est-ce que yon a kidnapping? Qui donc, li mande si monsieur Vivan Samyo pour yon font ti pose nan question kidnapping nan, bagay que nous kapabwe dernier temps sa yo, eh bien, kidnapping nan, li moute en puissance nan pays ya, c'est pas deux moun qui pas kidnappé et récemment, si monsieur Kokourat San Ratio, yo fait un kidnapping mardi qui sont passé là, yo même arrivé kidnappé, eh bien, yon ancien délégué, la Tibonite, et qui c'était un pasteur, monsieur Sakirele Emmanuel Alexandre, eh bien, monsieur Kokourat San Ratio, yo kidnappé plusieurs autres monde qui étaient dans la machine ça, eh bien, c'est une pratique que monsieur Kokourat San Ratio même, yo fait dans la Tibonite là, et il y a plusieurs groupes gang dans le pays, dans la capitale là, qui utilisait kidnapping nan pour que vous capable rentrer l'argent. Si c'est vrai, Jimmy Cherizier a parlé de la paix, eh bien, Premier ministre Gary Conille, depuis quelques jours, monsieur en la école, dans une vaste campagne médiatique, eh bien, de temps en temps, l'a passé dans les médias pour que lui capable parler parole gouvernement pour que li capable sensibiliser eh bien population haïtienne pour que li capable vraiment
eh bien, prend que population haïtienne. Et pour le voyer des messages, tout, eh bien, dans le cadre sorti que la feyo. Jodi, comme dit nous que Premier ministre Gary Conille, l'ité dans la radio Scoop FM, ensemble avec Gary Pierre-Paul Charles. Eh bien, PM, lui dit comme ça que, eh bien, chef la police, là, n'a parlé de directeur général police nationale d'Haïti. Les gars, ils te posé la question concernant l'insécurité qui a ravagé le pays. Qui plan gouvernement gagne parce que la population pas qu'attendre? Eh bien, Gary Conille te répond pour te dire Gary Pierre-Paul Charles que eh bien, chef la police là doit faire inventaire dans l'institution pour connaître qui ça a besoin et qui ça yo gagné laisse à lui-même en tant que premier ministre l'a obligé eh bien bail la police moyen pour que la police capable travail pour que la police capable résoudre problème insécurité qui gagne là aller plus loin pour le faire connaître que eh bien l'ichita ensemble avec plusieurs experts yo dit situation qui gagne haïtien li vraiment compliqué et moyen yo gagne yo pas supposé gagne seulement pour résoudre problème insécurité hein mais pour autant ça qui dans mes yo c'est avec yo apparaît coup qui donc c'est avec ça yo gagne yo pral commencer traquer si monsieur exam yo et là aller plus loin pour assurer population hein eh bien les yo a fait yo opération yo minimiser risque ak et convocation avait dit dans sens ça yo minimiser risque ak et ak communauté de préférence yo minimiser risque ensemble avec communauté qui donc l'a fait opération yo pas fait opération comme ça yo doit gérer tout bagaille pour éviter gagner dommage collatéral et yo pas fait une opération pour faire opération yo pas veut pour venir jodi an après ça pourtant yo aller yo pas tourner encore yo veut faire une opération de pour opération durer pour que capable abouti ensemble avec ça que yo veut et bien bon inviter nous tendez premier ministre Gary Conille qui lui-même t'a répondre question Gary Pierre-Paul Charles dans Scoop FM il t'a parlé concernant sécurité dans pays. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. M'a profité de saluer tout télé radio spectateur qui a suivi la jodia émission ça et c'est vraiment 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 un plaisir pour moi retourner dans Scoop Garim par contre si j'ai raison mais ça fait à peu près 12 ans. 12 ans parce que me songe l'homme quitté première fois mm-hmm. En fait dernier côté me passer c'est la caillou dernière interview me avant m'aller c'est la caillou et même c'est regrettable que ça prend 6 semaines pour m'y arriver là. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur le Premier ministre, alors, on a posé des questions pertinentes et rapides, et nous n'avons pas besoin de tout. Nous avons le fatigue, mais il y a des questions qu'il faut répondre pour pays. Scoop. Quelle que soit la mission que vous pensez qu'on gagne, vous pensez qu'on gagne mission, mais la population lui-même n'a pas tant de bâtiments. Ça, là, c'est démantèlement gang. Quand est-ce que vous allez commencer avec les opérations? Parce que c'est ça qui intéresse la population. Et Gary, c'est légitime. Parce que la population a souffert depuis longtemps. Ils ont fatigué, ils ont violé. 600 à 1000 là, ils ont déplacé. Ils ont pas qu'à la province, puis manger à monter, ils ont obligé de quitter la caillou. C'est normal que vous impatient, c'est normal que vous avez action, c'est normal que vous avez l'État jouer Wally. Et moi, je ne vais pas parler de personne, excuse ou explication. Même si tu as raconté là, ce n'est pas même moi qui est expert là, dans le pays qui a fait l'analyse, qui a dit que cette setup, l'infrastructure pour nous faire réponse, là, comment qu'elle est fragile, comment qu'elle n'est pas appropriée. C'est lui qui nous hérité. Ni moi-même, ni les Gérard, ni tout l'autre monde qui est impliqué dans la sécurité. Donc ça prend un certain temps pour faire mise en place. Regarde, il m'a rappelé un bagage qui est très important. Je m'appelle Dylan. Les pays comme le Salvador ont 300 pour 100 000 habitants en termes de police, plus ils ont l'armée. Ça prend des années pour être l'autre là à faire gagner. La Jamaïque, il y a 310 policiers, plus l'armée, pour 100 000 habitants. Ça prend 10 ans pour mettre l'autre là à faire gagner. Jusqu'à ce jour, au Brésil, il y a 65 000 policiers. Beaucoup plus d'infrastructures. Ça prend un temps pour mettre l'autre. Donc c'est sûr que, premier bail, nous-mêmes, nous avons fait
m'a rappelé que c'est vraiment moins de 6 semaines, mais chef la police là lui-même, c'est 3 semaines ni gain. Mon premier ça pour le faire, c'est pour le faire l'inventaire, c'est pour le faire l'état des lieux, c'est pour le garder ça le besoin, c'est responsabilité bam pam boum bal ça le gain. C'est pour réévaluer stratégie que quitter là maintenant. Mais quatrième bagaille gain d'aimer ba opportunité. Gon bagaille que n'a corriger que monde pas même rendre compte qui est excessivement important. Moi même moi joine que communauté haïtienne là relégué sécurité à en question de la police. Tout le monde chita yo dit sécurité à son job la police et n'a pas la police. Jouer, ce n'est pas marcher comme ça. C'est une responsabilité collective. Donc, nous avons fait ces rallier non seulement tout à l'État gain, c'est ainsi que je me réunis pour la première fois, mettre en même salle tout le monde qui a un rôle pour jouer depuis APN, douane, en passant par les collectivités territoriales, maire et intérieur, etc., avec la police et l'armée en salle. Pour nous comprendre comment on a agi collectivement, comment on a avancé, comment on a coordonné l'information, comment on a complété tête. Même travaux publics, Téchita là, et nous rendre compte que mon rôle pour jouer. Mise en place ça, demander un peu de temps pour nous faire trois bagages en même temps. Premier bagage, évidemment, c'est assurer que l'un fait opération, nous minimiser les risques à la communauté. Nous ne voulons pas que les gens qui souffrent, souffrent plus. Deuxième bagage, nous voulons assurer que l'un fait opération, tout soldat, nous, policiers, nous, soldats, nous, nous minimiser les risques sous tête. Mais troisième bagage, nous voulons assurer que l'un fait opération. Est-ce que nous tendez réponse que Premier ministre en bail ensemble avec Gary Pierre-Paul Charles? Question sécurité li pas seulement a fait PNH là. C'est a fait tout monde, toute couche dans société y compris population haïtienne. C'est pas pour sans raison qui fait que récemment li te fait une réunion ensemble avec responsable au commandement la police, au commandement l'armée, li te fait réunion avec majorité magistrats qui concerné dans zone qui gen insécurité yo, et gagné MTPTC, gen plusieurs couches dans société qui te bel et bien répondre présent dans cadre réunion ça sous question sécurité. Et forme dit nous après réunion ça gayon ensemble de décisions, et bien que MTPTC prend surtout pour centre-ville. Gay des cérémon yo pral obligé quitter kayo et yo bayon en délai 8 jours. Ça c'est un dossier spécial. Demain Dieu voulant n'a manyel pour nous montrer et bien qui urgence qui ça qui gagnait dans dossier si là, mais ça qui plus important pour le ministre, il t'a parlé de sécurité. Eh bien on continue tant des premiers ministres Gary Conny qui lui-même cap continuer et parler concernant dossier insécurité qui gagnait dans pays là. Consolider. Nous pas rentrer pour une opération, il va pas ça grand. Donc et ça m'a dit temps, ça m'a dit organisation, ça m'a dit pour le faire bien. C'est d'ailleurs pour qui ça l'adresse à la nation, non? Des 10 populations que oui n'a pas avancé. Pas rien doute que n'a pas avancé. Le mettre sûr que n'a pas avancé, mais son bail qui prend 30 ans et engagement collectif, son travail de longue haleine côté nous y est là par la force des choses librement. Mais pour répondre à la question directement parce que nous connons réponse directe. Même si je ne joue pas exact, je ne vais pas dire ça, même ce qu'on peut faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on va commencer l'opération très, très, très vite. Maintenant, on va parler de toute structure, etc., de pouvoir qui va chita parler, etc. Mais il y a un élément essentiel et fondamental dans la question des opérations, c'est la participation de la population. Maintenant, mais qu'on est, quel mécanisme on peut utiliser pour qu'on joigne participation population? Parce que même si on a un service de renseignement qui est efficace sans l'appui de la population, ou pas capable d'atteindre l'objectif qu'on fixe. Gary, fondamental. C'est ça qu'il faut voir. On travaille de près là, avec le ministère de l'Intérieur pour nous organiser collectivité territoriale. Il y a d'abord pour jouer au lieu. N'a pas gardé pour nous la communauté qui est arrivée et de sécurité, c'est parce que justement ils ont créé des comités communaux de sécurité. Communauté eux-mêmes tout fait partie. On ne parle pas de Bois-Calé, on parle vraiment de organiser pour nous capables de défendre tête. Avez-vous peur de Bois-Calé? De structure, pas quoi résoudre le problème là. Ouais, on croit que nous avons utilisé une approche côté que nous pas tourner nous-mêmes pendant que nous combattons.
Donc, nous avons gardé pour nous, nous avons sorti et nous avons annoncé à la nation une campagne de d'information et de sensibilisation pour aider la population à jouer Wally. Et ce n'est pas seulement la population, c'est tout l'autre secteur pour efficace. Nous voulons que le secteur privé soit beaucoup plus impliqué. Il y a des gens qui ont l'impression que le monde, quoi que, parce que plus ou moins sécurisé dans l'espace, reste sa capacité dans le pays à intéresser. Ce n'est pas vrai. Tôt ou tard, la vie nous sous si nous pas organiser nous en conséquence. C'est dans ce sens que nous travaillons. Alors, il y a une mission multinationale d'appui à la sécurité a, qui est supposée venir pour aider nous dans ce sens-là. Et nous avons déjà gagné deux déploiements qui sont faits. Et maintenant, quand est-ce que nous avons espéré la quantité de policiers qui sont supposés déployer au lab complet? Tu sais, nous avons travaillé avec des partenaires qui montrent nous, l'un de New York, l'un de Washington, qui est très engagé, qui a pris toutes les dispositions. Nous connaissons tout que les Caribéens ont fait une évaluation la semaine passée et que nous parlons pour y avancer. Nous connaissons qu'il y a un pile d'efforts qu'a fait pour mobiliser les ressources qu'il faut. Et nous avons travaillé avec des partenaires pour ça. Mais en attendant, nous ne pouvons pas chômer. Deux contingents là déjà, pas plus tard que vendredi passé, moi-même personnellement, mal patrouillé en bas de la ville là avec eux. À de 9h jusqu'à minuit, nous étions en bas. N'a pas gardé et vraiment gardé pour le monde qui fait Makonde, nous qui parler en bas de quelque temps, pour le monde qui fait Somalie, pour le monde qui fait Soudan du Sud, pour le monde qui fait Afrique centrale. C'est désolant, désolant. Premier ministre, fait qu'on est que, en tant que premier ministre, il n'a pas arrêté Chita, il n'a pas arrêté dormir la caille. Il a profité occasion pour que il était capable de faire patrouille ensemble avec les policiers kenyans, avec la police. Récemment, et saleté, ouais, c'était vraiment désolable, regrettable, dans l'état que l'été, ouais, centre-ville, et surtout, c'était dans la nuit que l'été allé. Qui donc, c'est un premier ministre qui pas dormi, c'est un premier ministre qui voulait résultat, et il n'est pas seulement resté croisé bras à obtenir résultat, mais qui donc lui mettait col au travail tout, mais c'est seulement nous pas capable de jouer un résultat que tout le monde attendant et qui c'est la paix. On continue d'attendre le premier ministre Gary Conille qui lui-même t'a répondu question Gary Pierre Paul Charles. La ville, particulièrement la nuit. Et en attendant, évidemment, la police a fait opération. Je ne vais pas faire démagogie. Non, c'est pour te dire que moi-même, moi, j'ai l'impression que j'ai un effort maximum qu'a fait pour nous capables d'y appuyer que nous besoin le plus tôt que possible. Mais moi-même, là, pour me rappeler que ce n'est pas suffisant. Que la population a tant nos promesses que vous faites depuis des mois, voire même des années, et que jodi à la fois vous rencontrez l'obligation que vous faites parce que son partenaire est allié. Mais deuxième bagarre encore que moi m'a fait qui est un petit peu différent, m'a demandé au bureau, dis-nous honnêtement, est-ce que c'est dans un mois, en l'an trois mois, ou l'an quatre mois, ou l'an cinq mois, pour moi-même, moi organiser moi-même. Parce que une bagarre qui, à mon avis, arrivée, c'est que nous tenons attentisme. Ouais, t'es pour attentisme côté que tout le monde chita et attend cette force multinationale. Nous-mêmes, nous pas jouer comme ça. Nous avons rassemblé toute force que nous avons pour nous assurer que tout ça nous a fait à moi et pas nous n'a fait. Et moi-même, c'est une monde qui croit que nous avons fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à moi et pas nous que nous avons fait. Est-ce que ça veut dire, ou à demander aux populations, un délai toujours pour qu'il y ait un petit temps, un petit patience pour vous, parce que, c'est vrai, il y a des communications pour faire pour qu'on puisse comprendre que nous avons ensemble de mise en place pour vous. Mais c'est chaque jour, vous même victime. Il y a victime, même supposé que vous commencez à beaucoup plus de patrouilles dans la rue. Chiffre n'a pas, par exemple, je dis, à comparer à saleté l'année dernière, forme de ça, que ce soit en termes de kidnapping et d'assassinat, vous meilleur. J'ai senti que beaucoup plus de transparence pour l'organisation, pour la première fois, on a mis vraiment la police avec l'armée pour travailler avec eux. Nous essayons autant que possible d'expliquer ça qu'a fait là. Nous avons un nouveau DG de la police qui travaille activement pour voir comment améliorer l'efficacité police dans la délivrance. Nous-mêmes, nous là, tu sais, gars, parce que et que faut qu'auditeurs comprennent. Il n'y a pas qu'on ait qui quantité fusil de gagné comme même aujourd'hui. Il n'y a pas qu'on ait si gagné drone aujourd'hui, mais si m'a gagné demain. Donc nous-mêmes, ça nous oblige à faire, c'est sous la base de ça, nous croyons que nous avons gagné comme asset et comme appui, nous avons programmé l'opération. Nous. Encore une fois, autour des trois objectifs stratégiques, qui est évidemment d'avoir l'impact maximal, de réduire ce qu'on appelle les dommages collatéraux et de nous assurer aussi, évidemment, que de la durabilité de l'intervention. Ça veut dire, une fois que l'espace d'intervention est récupéré, il n'y a pas de chambre tombée dans la main gang encore. Mm-hmm. Et c'est comme ça. En tout cas, nous tendons ça que le premier ministre Lanso dit là, automatiquement, l'espace récupéré, il n'y a pas de chambre tombée dans la main gang encore. Parole ça, il est vraiment intéressé.
et moi pral écrit yon côté qui côté que premier ministre te dit les besoin pour me caraler pour lui mais pour me dire PM mais qui ça que ou te dit jodian mais qui ça qui fait. En tout cas, nous quitter information concernant Gary Conille, cette fois-ci nous pral aller croire des bouquets. Depuis plusieurs jours pendant la semaine là, coup de balle a fait Mikalaw en dedans croire des bouquets. Qui ça qui gagne en dedans croire des bouquets? Est-ce que c'est opération qui déjà t'emmène quoi des bouquets? M'a dit non. Mais de préférence, c'est des interventions que la police a fait. La police décide pour pas bailler vague parce que récemment, il y a une fréquence qui fait côté que un groupe nèg exam en dedans Duval, yo l'ouvri cartouche sous yon blende qui t'a passé eh bien devant Duval là, monsieur yo l'ouvri cartouche sous blende là. Et sortant de yon, policier yon, yon tourne avec plusieurs blindés et ça yon oublié, yon pas fait dans la zone nan, yon même petit machin qui rive pren coup de balle. Femme dit nous jodi, jeudi 25 juillet 2024 là, eh bien, ti monsieur yon te mette pied à terre, yon te devant pont à balle. Femme dit ak la police, faut que yon très prudent, parce que information qui rive joindre moi, monsieur yon, yon nan objectif yo, c'est pour yon capable mettre du feu nan yon nan blende qui kon stationne le plus souvent, eh bien, devant l'église Rock Solid lan. Yon dit pas n'importe quel moyen, yon boule yon blende pour la police parce que la police met bagay nan men yo. C'est pas deux garçons qui pa tombe, comme dit nous matin, te gen en pile coup de balle nan zone Duval, Kafou Marassa. Et surtout au niveau de Pont-à-Bar, l'enfanti descend tout droit. Nous avons gagné une base en dedans dans la cité Doudoun. Le plus souvent, monsieur, qu'on sorti là, eh bien, tu as un pile coup de balle dans la commune Croix-des-Bouquets. Et pour me dire que, jodi là, monsieur, prend disposition au niveau de Croix-des-Bouquets. Il y a un pile piège pour la police. Et pour me dire tout, monsieur, il a vraiment motivé, il a occupé plusieurs espaces. Plusieurs petits coins en dedans croix des bouquets dans l'idée si toutefois la police voulait faire un poté bourré sur yo eh bien pour que la police capable casser dans c'est ensemble information ça yo que nous te gain pour te wè ensemble avec zami internautes yo nous te prend pile plaisir pour que nous te capable porter information ça pour nous n'a mandé ou continuer partager information nous yo et toutefois ou pour ko abonner n'a mandé ou pour que ou capable abonner pour que à chaque fois que nous gagnons information à partager pour information capable de arriver sous nous en temps réel.